J'ai pas mis le son. Oh, petit stream détente, on va se faire Valley of Rain. Je vais relancer ma cognette prochainement. Alors, ceux qui la connaissent, bon, ça vous voulez. Non seulement pour préserver du CPC, mais pour préserver du Spectrum en fait. Parce que du coup, je vais commencer à faire des dumps de jeux Spectrum. J'ai déjà commencé. Hein. J'ai dumpé chez Scooby-Doo, je sais plus quoi, mais vraiment, j'ai 6 jeux sur Spectrum en originaux, donc je vais approcher moi. Je vais de toute façon. Voilà, il est beau cet écran en plus, avec la jolie demoiselle avec des gros nichons. Je vais peut-être baisser encore un petit peu l'audio du bureau. Et je vais monter mon micro. Voilà, ce sera peut-être mieux. Et du coup, juste pour prendre ça coûte dalle, ça coûte 1€ le jeu, bizarrement bien. Pas plus cher en frais de port qu'autre chose, donc t'as plutôt intérêt d'acheter plein de jeux quand tu veux en commander. Cela dit, je vais normalement n'en voir rien, je pense, à Noël. C'est même sûr. Normalement, je devrais avoir Pipe Mania avec une version cassette. Une version avec Amstrad d'un côté et Spectrum de l'autre. Alors, en espérant qu'il fonctionne. Parce que je sais que la cassette n'a pas été rembobinée, donc si ça se trouve elle est morte, on verra, ce sera la surprise. Donc voilà pour ça. Alors sinon, sur mon Spectrum plus 2, du coup je me suis rendu compte qu'il y avait un bug, qui est connu, hein. Soit on l'appelle Rain Effect, soit on l'appelle Snow Effect. Le stream passe dans le rouge, juste pour me faire chier, je vais peut-être enlever tout ce qui est Google Drive et ça va être dans le genre qui vous dit ressource. Salut Thomas. Tiens, eh ben, Thomas, regarde-moi ça parce que ça, ça fait partie des jeux Spectrum qui sont beaux. Celui-là, il est super chouette. Hein. Et puis tant que je te tiens, ce serait bien que tu me dises quel graphe je dois finir pour Zelda. Enfin, surtout ce que j'aimerais savoir, c'est quel fichier de sprite art. Me donne les noms, quoi. Alors, le son est trop fort. C'est exactement ce que je pensais. Voilà, là, ça devrait être mieux. J'avais déjà baissé, j'avais augmenté le micro. Là, je peux plus augmenter le micro. Donc, surtout, je parle pas fort parce que ma fille est à la sieste. Donc oui, j'aimerais que tu me dises les noms des fichiers de SpriteArd qu'il faut que je graffe, histoire que je termine ça rapidement. Bah, très rapidement, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps.
Donc soit tu m'envoies un mail ou tu me dis ça sur Facebook et puis bah sur Facebook au moins ou par mail mais pas ici quoi parce que ça que je garde une trace du truc quoi. Je serais pas obligé de regarder mon stream pour voir quel fichier tu m'as dit. Bref, tu vas voir ce jeu, la Valley of Rain sur Spectrum, il est sublime. Il est vraiment beau, pas de color clash. Très bon jeu. Et oui, donc je disais, je me suis rendu compte qu'il y avait un bug sur Spectrum plus 2. Alors, le plus 2 de base. Hein. Pas le plus 2B, hein, je parle bien du plus 2 gris. Donc on a le Snow Effect qui en fait fait apparaître des merdes à l'écran. Alors quand je dis des merdes, c'est limite on ne voit plus ce qu'il y a à l'écran tellement c'est blindé de merde. Donc ça vient d'un bug d'un des composants de la machine. Un composant PAL. Donc en fait le composant qui s'occupe de lire la VRAM pour envoyer à l'écran. Il se trouve que ce composant. Ah cool. Titanic Blinky, ça c'est cool. Compte du cul, là, il était sympa aussi ce jeu, même s'il est moche. Tiens, faudrait que je le fasse sur Spectrum, tiens d'ailleurs. Et que je me le récupère aussi, tant que j'y suis. Tiens, Thomas, tant que j'y suis, regarde si dans tes cassettes CPC, t'as pas des cassettes où il y a une version CPC d'un côté et Spectrum de l'autre. Tu dois en avoir, je pense, avec tout ce que t'as. Donc bref, oui. Et donc ce bug vient du fait que le composant, si le registre I est entre E40 et E7F, ce composant croit que le Z80 est en train d'accéder à la VRAM. Et du coup, il ne lit plus les. Le composant lui-même ne lit plus les octets de la VRAM, mais récupère le dernier octet lu et le balance comme ça à l'écran, comme un gros bourrin. Bah, t'as fait un stream hier soir? Sans déconner, putain. T'as fait un stream à quelle heure? J'aurais pu regarder en plus quoi. Petite musique au beeper. Tiens, je vais monter juste le temps de la musique. Qui sont très très bien. Ouais, 20h, 21h, j'aurais pu regarder en plus quoi, fait chier quoi. T'as streamé quoi? Allez, c'est parti. Alors voilà, donc il n'y a pas de musique pendant le jeu, donc ils me disent d'insérer le CD. Faut vraiment que je me l'achète en physique ce jeu. Pour avoir la musique pendant le jeu. Alors je sais pas trop pourquoi il n'y a pas de musique pendant le jeu, je pense que c'est une question de mémoire, je pense surtout. Hein, parce que vu le jeu, alors ça doit être un jeu 128K, hein, je pense. Et comme il y a pas mal de sprites auto-générés, je pense que bah, ils doivent plus avoir beaucoup de RAM de dispo et du coup ils ont essayé de pas mettre de musique. Ils l'ont mis sur CD, donc c'est plutôt pas trop con. Tiens, d'ailleurs, on voit sur le graphe, on voit quand même une des contraintes du Color Clash dans le HUD en haut, si on regarde bien. Alors, normalement, si je vous montre avec la souris, vous allez voir, ici, on voit un petit peu de bleu qui dépasse en fait du carré ici. Donc, il y a une petite pointe de bleu. Ils auraient dû peut-être prolonger un petit peu le blanc ici pour l'éviter. On le voit. Est-ce qu'on voit ma souris à l'écran? Ouais, on la voit. Ok. Allez, c'est parti. Donc ce jeu est vraiment top. Tu vas voir, Thomas, franchement. Un jeu comme ça sur CPC, là, ça rappelle beaucoup Savage. Et puis il n'y a pas de color clash. Les couleurs sont plutôt bien choisies. Alors, je suis allé assez loin, hein, dans le jeu, mais je n'ai pas encore fini pour l'instant. UN Squadron, oh putain, en plus un de mes jeux préférés, quoi. J'aurais dû regarder ça. Je vais avoir du mal à lire le chat en même temps que je joue, je pense.
Donc tu vois, ça bouge bien. Je scroll le différentiel et tout. Eh bien, il est très bien ce jeu. Il est très bien, c'est un très très bon jeu. Très beau. Très jouable. Ça rappelle beaucoup Savage, le premier niveau de Savage. Donc on a du sprite généré, hein, sur tout le personnage, sans doute les autres, et tout se déplace au caractère. Donc sur ces PC, ce serait Hogwarts, quoi. En mode 1, tu serais 8 pixels, bah, comme dans la RTL 8 pixels, puisque c'est la même résolution. Ah ouais, mais c'est parce que t'as pas dû voir loin dans le jeu, parce que même avec la palette ZX, franchement, il y a des niveaux qui sont vraiment beaux. Ils sont pas mal démerdés. Donc très très bien démerdé. Le graphiste a fait un sacré boulot sur ce jeu. En fait, ils ont tous fait un très bon boulot dans le jeu, parce que le codeur a fait un bon boulot aussi. Mais le graphiste, il a de l'expérience, hein, c'est clair et net. C'est pas n'importe quel débutant qui fait ce genre de graphe sur la machine. Moi, je fais un peu de graphe sur Spectrum là, depuis un moment. Honnêtement, putain, pas évident, hein. Par rapport à un CPC, tu te rends vite compte que le CPC est graphiquement largement avantagé par rapport aux autres 8 bits. Hein. Et par rapport à quasiment tous les 8 bits, hein, parce que le CPC, on n'a pas de contraintes. On est sur du vrai bitmap, et c'est un sacré avantage. Quand même. Alors, hop, on arrive à la fin de ce stage. Allez, piaf, colle. Merde, putain, il m'a tiré sur la gueule ce con. On va tuer le piaf. Salut, t'es tout nu. Ouais, c'est un jeu qui fait bien honneur au Spectrum, hein, honnêtement. Ouais, mais je peux pas le monter en fait, le son micro. De toute façon, je parlerai pas plus fort parce que je te dis, ma fille est à la sieste, un peu à la bourre aujourd'hui. Et vas-y, putain, on est sans connard. Alors, le color clash, on peut voir à certains endroits. Donc là, déjà, on voit que c'est pas masqué, hein, que ce soit notre personnage ou tout ce qui bouge, hein, en fait. Les ennemis sont pas masqués, hein, ce qui est normal. Gagner du temps, parce que on va pas dire que c'est normal, mais putain, j'ai plus de temps. Voilà, c'est bon. Par contre, j'ai plus de temps, donc je vais crever. Merde, putain, je vais perdre une vie inutilement. Il n'y a pas un ennemi qui veut me donner un sablier, là. Ce serait cool, parce que je suis quasiment. Ouais, yes. Je suis quasiment à la fin du niveau. Merde. Donc, il est bien foutu. Là, pour l'instant, je suis bien parti. Pour aller loin, on verra. Merde. Putain, je me prends tous les tirs, quel gros con. Ils sont chiants tes chauves-souris de merde, moi. Bon, avant que je trouve de l'énergie. Hein, parce que là, je suis mal en point. Ouais, c'est bon, j'ai fini le niveau. J'ai fini le niveau. Alors, level 2, alors, des très très jolis champignons. Là, y a rien. Par contre, ce qui est un peu con, c'est qu'on perd notre tir quand on finit un niveau. On recommence avec le tir de base qui est vraiment pourri. Mais bon, on récupère notre énergie. Je me méfie, je crois qu'il y a des plantes à la con. Tiens, méfie, c'est salope. Des fois, il vaut mieux ne pas insister puis se barrer. On passe, on s'occupe pas des ennemis. Alors, surtout dans les niveaux d'après, quoi. Alors, c'est marrant, les verres au sol, ils font un peu penser à Astro Marine Corps dans la deuxième partie. Je pense que c'est un petit clin d'œil. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de clin d'œil d'ailleurs. Bon, le clin d'œil à Savage est vraiment évident. Hein. C'est plus qu'un clin d'œil. Hein. C'est de l'inspiration. À ce niveau-là, on parle même plus de clin d'œil. Un tir un peu plus puissant. Tout cette saloperie. On y va. On va essayer d'aller le plus loin possible. Si je pouvais même aller plus loin que j'y vais. Voilà, oh, c'est Thomas.
Ouais, c'est ça, ouais, les verbes AMC. Ouais. Ça y fait carrément penser. Non, je vois que le CPC t'intéresse plus trop. Ah si 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 si, j'ai encore des idées sur CPC, j'ai encore des choses à y faire. D'ailleurs, j'étais en train de, hier soir du coup, en train de, pas de coder, mais de commencer à prendre des notes pour un petit truc. Mais si si, hein, je continue à faire du CPC. En fait, ce que je veux, surtout, c'est comprendre comment fonctionnent les IDE, parce que moi, contrairement à des abrutis, les Home et compagnie qui parlent sans connaître les machines. Moi j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Donc je code dessus pour apprendre les limites de la machine en fait. Et bien comprendre ce que je vois quand je vois quelque chose dessus. Là, le Spectrum, je commence à avoir une vision des choses. Un peu plus réaliste. Je commence à bien comprendre comment ça fonctionne. Et c'est une machine qui est intéressante, moi je trouve. Alors, faut pas que trop de monde s'y intéresse parce que sinon ils vont faire augmenter les prix des jeux. Pour l'instant, c'est pas cher sur Spectrum, mais ça risque de pas durer quoi. Moi, j'ai pas regardé. Oh merde, putain. J'ai pas vraiment regardé le code de jeu, mais. Faudrait que je regarde, c'est surtout graphiquement, parce que pour le scroll au pixel derrière, ça m'étonnerait qu'il y ait une routine qui fasse. Qui gère ça au pixel, je pense plutôt. Mais putain, j'ai repris le tir de base que l'abruti. J'ai pas fait attention, d'habitude, j'y fais attention quand je joue. Mais. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je pense plutôt qu'ils ont stocké. Parce que bon, c'est un truc qui se répète. Hein. Donc je pense qu'ils ont le même sprite en décalé au pixel à chaque coup. Donc c'est pour ça, hein, ça bouffe plein de RAM. C'est certain de toute façon qu'il y a de l'astuce un peu partout. Donc, vu que, ouais, voilà, là ici il vaut mieux sauter par-dessus les ennemis. Les merdes par terre. Hein. Des chauves-souris et puis on saute par-dessus les autres. Ah oh, putain, mais les bébés de merde. Alors, là, il faut essayer de les tuer le plus vite possible. Sinon ils nous font chier un peu plus loin. Pour l'instant, j'ai pas perdu de vie. Hein. Merde, ça va pas durer. Je le sens. La chauve-souris à la con. C'est elle qui me touche là. Salope. Et donc, bien entendu, tout l'écran est réaffiché à chaque fois. Hein. Dès qu'on bouge, on réaffiche. Jamais trop dans ce jeu, on en manque dans beaucoup de niveaux. Alors sinon j'ai beaucoup joué et je joue beaucoup à Light Corridor en ce moment. Voilà, donc là j'attends parce que j'ai pris le truc. Quasiment plus d'énergie. Hein. Je pense que je vais crever. N'y a pas de truc pour récupérer l'énergie. Hein. Pour récupérer l'énergie, c'est les espèces de fleurs à la con. Évité. C'était le tir de base. Donc quand je peux l'éviter, je l'évite. Putain, il insiste pour me le redonner. Allez, une vie en moins.
Ça bouge bien, hein. Voilà, c'est dommage, hein, j'avais quasiment fini le niveau et j'ai perdu une vie avant. Allez, level 4. Ah oui, regarde, c'est joli ça, moi je trouve, là, graphiquement. Un bel effet de coucher de soleil, là, je trouve ça joli, avec les scrolls différentiels, ils sont magnifiques. Ça rend vraiment super bien, quoi. Graphiquement, c'est vraiment réussi. Hein. Rien à y faire, fallait juste buter le piaf, c'est vrai. Alors là, on voit un hein, grand shot, on voit le color clash quand même. Puisque du coup, on peut pas avoir plus de deux couleurs par truc, et comme les cheveux sont jaunes, la deuxième couleur c'est du rouge ou du noir, hein, selon ce que je suis devant, bah, du coup, il y a le jaune qui se fait polluer ou le noir au choix. Ouais, on va le tuer l'autre là, j'aurais pas dû aller à la gauche, là, j'ai perdu vachement de temps. Là, j'ai perdu du temps, hein. J'ai intérêt à en récupérer parce que sinon j'ai encore perdu une vie. Voilà, c'est pareil, autour des cheveux, on voit qu'il n'y a plus de rouge hein, derrière, il n'y a plus de briques. Voilà, je sais pas pourquoi j'attendais en fait. Donc, comme dans Savage, ce truc signifie qu'on est invulnérable, donc dans ces cas-là, on trace comme un gros mongol. Ça, c'est de l'énergie. Les tonneaux, pareil que dans Savage. Hein. Sauf qu'ici, ils contiennent rien. Les tonneaux dans Savage, ils contenaient souvent des options. Tire de base de minerne. Ah, si, là, il y a quand même. Alors, je sais pas à quoi ils correspondent les cœurs, parce que je gagne pas de vie en fait. Ça me redonne pas de l'énergie. Ça... Ah, là, si, ça me redonne de l'énergie en fait, j'ai rien dit. Si je pouvais avoir un autre tir, surtout, alors j'ai quasiment plus de temps. Putain, je les avais pas vus, ils étaient plantés derrière l'autre quoi. Voilà, du temps. Me revoici invulnérable pour un petit peu de temps. Non, une minerve, hein. Tuer. À droite, je sais pas s'il y avait quelque chose. Ah, vive le célibat, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, c'est sûr que pour la liberté, c'est quand même pas plus mal. Hein. Mais bon. Ah bah j'ai vu aucun de tes streams. Ouais, tu préviennes un petit peu quoi. Genre préviens sur mon chat. Ah oui, ouais, ce sera un que je monte puisque c'est là qu'il y a l'échelle. Ah, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre en fait ce qu'il fallait faire à cet endroit-là. Il m'a fallu au moins deux parties pour comprendre. Je comprenais pas, j'étais bloqué, j'arrivais pas à avancer. Et après j'ai compris. Donc, on va voir une photo. Alors là, il y a des statues. Hein. Oui, il y en a plusieurs. Et on va voir une statue de notre personnage. Bientôt. Alors, on va voir que je tue cette merde là. Tiens, connard. Là. Putain, qu'est-ce qu'elles sont chiantes ces chauves-souris de merde. Même les boss hein, font penser à Savage. Tiens, d'ailleurs, en parlant de boss, ceux de. Il y a des boss dans mon light corridor et franchement top 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 pas facile ouais, c'est le je crois le niveau 8 là j'ai trop trop mal à le passer et il est vraiment sublime comme jeu hein. Alors, je comprends pas que j'y ai pas accroché plus tôt hein. Pourtant j'y avais joué il y a quelques années et puis
J'avais trouvé ça très basique, pas tiré. Donc voilà, on a une statue et dessous il y a des flèches. Donc il me dit gauche, droite, gauche, gauche. Et bien en fait, il va falloir mettre les statues dans le même sens. Tout simplement. Là, le nettoyage de disquette. Il n'y avait pas d'énergie à droite. L'énergie, parce que là, j'en ai quasiment plus. Putain, je me rappelle plus, c'est gauche-gauche. C'est gauche-droite, gauche-gauche. Donc, gauche. Gauche, c'est bon. Prochain à gauche. Parce que là pour l'instant je peux pas sauter en fait. Là ici il y a trop de distance. Voilà, donc là le truc il vient de monter. Donc ça veut dire que la statue elle était déjà dans le bon sens là-bas. Oh putain, je crève juste avant de sauter quoi. Voilà, et là je peux finir le niveau. Voilà, c'était juste le truc à faire. Réparer une cassette. Qu'est-ce qu'elle avait ta cassette? T'as réécrit une cassette ou non? On aura la mort d'énergie. Bientôt arriver à mon petit niveau préféré, celui avec des chutes d'eau. Voilà, c'est là les chutes d'eau. J'ai dû ouvrir ensuite, je l'ai dumpé. Ben moi j'ai réparé ma cassette de Deathstalker. C'est qu'avait le galet qui était mort. Hein. Alors, le galet il est mort parce qu'il est fendu. Comme ça. Si on voit, s'il veut bien faire la mise au point dessus, cette espèce de tête de bite. Voilà, hein, le galet là, il est cassé. Si bien que le petit picot en plastique qui se met là-dedans pour tenir la bande, quand on arrivait en fin de bande, qu'on rembobinait ou qu'on était en fin de bande, bah du coup la bande a sauté, quoi. Donc j'ai récupéré sur une cassette qui était morte. Vraiment morte, hein. La bande elle était complètement tordue, à moitié fondue ou je sais pas trop quoi. Donc j'ai récupéré dessus un galet et puis bah, j'ai fait l'échange, hein. Ça s'est fait presque tout seul on va dire. Un peu chiant quoi. Alors, je me trouve magnifique ce niveau. Je trouve vraiment que niveau couleur, ah oui cela, hein, faut même pas essayer de les tuer. Surtout pas avec ce tir de merde. Et je sais plus ce que je disais. Voilà. Je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Bref, oui, j'ai réparé ma cassette. Le Deathstalker sur Spectrum qui du coup fonctionne. Allez, une petite partie shoot'em up. Dire. Il faut éviter de louper les ennemis parce que sinon le temps qu'on les passe, on perd beaucoup d'énergie. Il faut essayer de tous les avoir le plus vite possible. C'est pas bien compliqué. Hein. C'est joli. Hein. Là, je sais pas pourquoi j'ai récupéré une rame pour prendre le bateau parce qu'en fait je m'en sers pas. Et merde, j'en ai loupé un. Voilà, j'en ai loupé deux. Donc là, je perds mort d'énergie. J'ai jamais perdu dans cette phase. Alors. Là, je vais perdre. Ah bah non, juste à temps, j'arrive. Ah, je peux pas descendre, c'est dommage. Il y avait de l'énergie juste en dessous. Si je peux le récupérer. Yes. Saloperie, toi. Connasse. Une bestiole de merde. Ah, de l'énergie. Arriver. En fait, je passe plus de temps à éviter les ennemis qu'à les tuer, j'ai l'impression. Une fois qu'on a chopé le coup, qu'on sait que des chauves-souris y descendent petit à petit,
et que l'eau on peut sauter par-dessus sans se faire toucher. Les libellules en général je les tue parce qu'ils ont tendance à nous faire chier, mais celle-là, je vais bien passer. Ouais, un boss. Moi, je m'en veux pas dessus. Il avance petit à petit vers moi, donc. Ah, si ça me dit quelque chose maintenant, c'est vrai qu'il n'y a que la tête qu'on peut toucher sur ce mur. Voilà, je l'ai eu. Ça doit être la fin du niveau. Voilà. Ouais, il est beau, hein. Il est carrément beau, hein. Donc, franchement, entre pour moi, les deux jeux les plus beaux, c'est Dandar 3 et puis celui-là. Je les trouve vraiment top de top, quoi. Puis là, le fait d'avoir sur Spectrum une résolution de pixels carrés, ben, comme notre mode 1 sur ses PC, du coup, tu as une finesse graphique. Alors, ça a ajouté. Oh, putain, je me prends un pixel en gueule. Ça a ajouté au fait que là tu vois pas le color clash et que du coup bah, tu peux mettre toutes tes couleurs en même temps à l'écran, hein, sans problème. Hein. Parce que sur Spectrum, contrairement à ces PC, eux, ils peuvent balancer toute leur palette sur le même écran sans aucun problème. Bah, le tirage, je le réponds. Donc c'est plutôt, plutôt une réussite hein, ce jeu, hein, clairement. Hein. Ah merde. Je m'arrête pile poil dessus, du coup je me fais buter. Et puis franchement, ça bouge bien, ça réagit bien, rien à redire. Bon, à part niveau sonore. Hein. Donc là, les sons, c'est du beeper. Il y a un moment, tu peux pas non plus faire plus que ce que la machine est capable. Hein. Je pense que la RAM, elle doit être bien pleine. Donc... Salut Chorion. Droite ou gauche? Droite pour prendre de l'énergie et après je pense que ce sera gauche. Je me rappelle plus. Bon, il n'y a rien par là. Je perds du temps. Je vais aller à gauche. D'énergie, j'ai la clé. Est-ce qu'il y aurait de l'énergie? Les couilles, voilà. Je m'en doutais. Ah. Bon, dans le concept, c'est pas très très dur à faire comme jeu, mais par contre, dans la réalisation, c'est autre chose quoi. Faut quand même le coder quoi. Parce que vu la gueule de la RAM d'un Spectrum, merde. Ça doit être un beau bordel niveau organisation quand même. Voilà. Notre truc à la façon cybernoïde qui tourne autour de nous. Oh, cela dit, dans de l'énergie, dans Savage aussi, il y avait des trucs autour de nous d'ailleurs qu'on récupère la plupart du temps dans des tonneaux. J'espère qu'il y a encore un peu plus d'énergie puisque là je commence sérieusement à manquer. Ça pue la fin de vie là. Bon, j'ai encore 3 lignes. Hein. Gauche, droite. Ce sera gauche pour l'instant. Ah bah ça doit être droite parce que en général quand on nous redonne de. Ah ben non. On va y aller directement. Tac.
crève. Putain, là, je vais crever, là. Il y a plein d'ennemis à me faire chier, là. Putain, le connard, il me tient en diagonale, non? Ah, puis il n'y a plus de temps. Vite, 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 crève, putain. Voilà, putain. Ah non, je suis mort à cause de la vie, mais là, le temps est à zéro. Vite, il faut se manier, je vais crever, je vais crever, je vais perdre de vie. Oh, putain. Juste à temps, quoi. Level 7, là. Oh, c'est un peu moins joli, là. Ah, les abeilles de merde. C'est déjà un peu moins joli, là. C'est tout rouge. C'est pas forcément ce qui est le plus joli. Bon, je vais tracer tant que je peux. Si je peux récupérer un autre tir que cette merde, ce serait pas mal. Il avance vers moi, donc c'est un peu casse-couille. Vas-y, chauve-souris de dos. Le pire ennemi du jeu, c'est la chauve-souris. Hop. Et les abeilles. Elles sont bien chiantes aussi. Allez, on retrouve nos corbeaux habituels, j'ai envie de dire. Qu'il va falloir buter. Non, je sais pas si ça sert à quelque chose que j'aille faire là, à part à perdre du temps. Je viens de récupérer, donc j'ai rien dit. Merde. On chante ces abeilles là de merde là. Non, ça servait à rien. J'ai pas une mémoire assez bonne pour me souvenir si c'est utile d'aller d'un côté ou de l'autre. Bon, c'est pas grave. J'espère que les abeilles vont arrêter de me casser les couilles pendant que je tue les piafs. Deuxième, j'ai quasiment plus d'énergie, je vais encore perdre une vie, décidément. Bon, dans tous les cas, on sera allé assez loin parce que je crois que c'est à peu près où j'ai déjà réussi d'aller. Donc j'égale, pour l'instant, je crois que j'égale à peu près mon score habituel, on va dire, parce que j'ai toujours pas fini ce jeu. Il est vraiment bien et puis il donne franchement envie de d'aller voir plus loin quoi. Alors là ça me dit quelque chose, j'ai dû y aller aussi. Putain de tonneau qui me barre le passage. Les abeilles. L'énergie. Ça fait toujours du bien. Les verres façon Astro Marine Corps. Luigi. La vidéo stream hier soir. Oh la vache. Putain, il a duré combien de temps ton stream? T'as mon codé en quoi? T'es malade toi. Ils sont pas compressés tes vidéos? Recul. 8 gigas, c'est énorme. Ça me paraît carrément énorme. Oh, t'as du chien dans la colle, t'as enlevé la compression vidéo. Sens parce que voilà j'ai perdu une vie c'est sûr. Ouais bon voilà bon, là, je vais même perdre deux vies parce que je viens de perdre connement à cause de l'énergie et j'ai encore le temps qui est à zéro.
Soit je suis parti dans le bon sens et... Ah ouais, je suis parti dans le bon sens. Time is up et je suis mort, je crois. Non? Je recommence? Bon, attends, il me fait pas recommencer tout le niveau quand même. J'ai abusé. Ou il me fait recommencer que là. C'est ma dernière vie. Je crois pas qu'on en gagne. Oh putain, me faire commencer tout le niveau. Donc c'est abusé quoi. Donc quel boulot, putain. J'ai perdu trop de temps dans ce niveau en fait. Donc je vais essayer de tracer un peu plus ce coup-ci. Il va falloir que je retue les piaf de merde. Grâce au truc qui tourne autour de moi, ça me permet de les tuer plus facilement. Voilà, hop. Un petit peu d'énergie, alors ça en redonne pas beaucoup, hein, les putains de fleurs. Hein. Je trace hein, parce que sinon enfin, si je pouvais éviter de perdre à cause de l'énergie ce serait bien aussi parce que là je fais un peu n'importe quoi, j'ai plus d'énergie, si je pouvais en récupérer ce serait cool. J'ai quasiment plus d'énergie. Oh, je vais encore crever hein. Je crois que ce niveau ce niveau je ne vais jamais y arriver, il faut vraiment que je sois plus prudent que ça. C'était bien parti et puis là je me retrouve dans la merde à cause de l'énergie que je n'ai plus. Il me reste un peu de temps mais niveau énergie ça va être trop chaud quoi. Voilà je suis mort. Et bien game over. On pourrait en faire un spécifor. Bah oui on pourrait. On pourrait largement le passer en mode 0 et le mettre sur CPC. Mais pour ça, il faudrait avoir le source. Sinon, c'est pas la peine. Mais sinon, oui, le code, il y aurait pas mal de choses à faire. Parce que du coup, il faut refaire toutes les routines d'affichage. Hein. Surtout que c'est de l'auto-généré. Donc, pour le coup, là, t'as pas trop le choix, t'es obligé de tout refaire, quoi. Les routines d'affichage, tu es obligé de les refaire. Après, le reste, tu peux tout garder. Tu es obligé de refaire le son. Ça représente quand même pas mal de boulot. Tous les graphes. Donc, il y a du taf. Hein. Il y a vraiment du taf. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? De toute façon, je vais pas continuer 3 ans. Ouais, il y a Drifter, j'ai pas réussi à y jouer sur un vrai Spectrum, c'est un peu con. Et ah tiens, truc rigolo. Truc rigolo. Je l'ai pas encore essayé. Je l'ai pas essayé. Donc, ce que ça donne. Un spécifor CPC+, ça n'a jamais été fait. Bah si, ça s'appelle Pang. Ou ChessHQ2. Vous voir même peut-être Navy Seals. Il y a Space Gun surtout. Space Gun qui est vraiment un spécifor vers CPC+. Il est fort possible que tous les jeux CPC+ soient des spécifors. Pang, c'est pas sûr à 100%. Hein, parce que la taille d'écran de Pang, après,
tu me diras, ça n'a pas changé grand-chose pour eux de changer la taille d'écran, mais Pong insiste sur Spectrum, mais ça ressemble quand même beaucoup à la version qu'on a sur CPC+. Donc c'est fort probable qu'ils aient repris au moins le code du jeu et puis qu'ils l'aient adapté en mettant une taille correcte de l'écran. Alors je sais pas s'ils ont eu des problèmes avec Nintendo en sortant ce jeu. Mais sinon, oui, le meilleur exemple, ça reste Space Gun, qui n'a pas été terminé comme Speciporn d'ailleurs. Bah attends, tu vas voir. Alors je te préviens, c'est pas beau, hein. Je te préviens, c'est pas le jeu qu'on vient de voir, quoi. Niveau qualité, quoi. Chier, j'ai envie d'un café. Salut Rafo. Rafo, il arrive pour la fin. Je pense pas durer 10 ans. Je déteste ce jeu à la base. Sur toutes les machines. Hein. L'original, je le déteste. Contrôle Sinclair. Ah, je crois que je me suis mis. Chopé de Mario Sunrise sur GameCube, bah, si tu le dis. Bah, cela dit, pour adapter un graphe sur Spectrum, pas évident. Hein. Je sais plus si je vous avais montré ce que j'ai fait avec ma tronche sur Spectrum. Enfin, je vous montre ça après, tiens. Bon, j'aurais pu abréger le chargement, mais en fait, j'ai pas envie. Sûr que ça vous emmerde, donc moi ça me plaît. Oui, le graphe, oui, je me doutais. Hein. D'ailleurs, on voit que ici, ils ont pas pu mettre de bleu ciel. Ouais, ils auraient pu pour ce carré là, pourtant. Je pense. Ils auraient pu mettre du bleu ciel ici. Mais par contre, ils auraient pas pu en mettre ici. On a juste eu la petite pointe là où ils auraient pas pu en mettre. Ils sont obligés d'avoir du noir. Une sacrée contrainte graphique quand même. Deux couleurs pour un carré de 8 par 8. Alors tu peux faire un petit peu mieux en bidouillant un peu. Ça reste de la bidouille. Oh. Je vais l'accélérer hein, parce que là, faut pas déconner quoi. Voilà, c'est fini. Pourquoi ça marche pas? Je peux pas bouger. Putain, c'est une blague, je suis obligé de recharger. Alors, attends, je vais plutôt essayer de changer contrôleur. Je vais mettre, alors ça se trouve j'ai mis port B. Non. Oh merde, je me suis mis en quoi pour mon capstone? Là, ça marche pas. Pourquoi je peux pas bouger? Oh, c'est bizarre ça. Bon, on va le recharger. Hein. Désolé. Les aléas du direct. On va le recharger, ça. Ça bouge bien, t'as vu le scroll, magnifique. Putain, je suis dans quoi là? Ah, je suis pas dans le monde aussi. Je l'ai pas essayé encore. Voilà, hop. Là, quand on met le chargement rapide, on voit rien. Bah, Sinclair 1, je suis pas débile. Voilà, l'inconvénient des émulateurs, c'est ça, c'est que. Je peux pas bouger. Alors, donc du coup, je vais changer. Je vais mettre. Bon, y a un problème hein, dans leur truc. Hein. Déjà, c'est de la merde de base. C'est de la merde. S'il reconnaît pas.
Une tuerie, donc j'espère que c'est pas sur émulateur que ça merde, parce que sinon on pourra pas l'essayer. Donc là je vais mettre Capstone du coup. Vas-y mon gars. Ah bah maintenant il saute tout seul. Putain d'émulateur de dôme, je te jure. C'est vraiment de la merde. On sait qu'il peut sauter. Je vais jamais y arriver. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Bon, bah, je crois qu'on va pas le faire. Hein. Je vais pas durer 3 ans. Je réessaye un coup. Alors, si je mets. Ouais, c'est ça, il était codé sous Windows, il reconnaît pas les manettes. Ah, voilà, il comprend rien. Donc là, j'ai mis 5 liards 2 et en vrai, je suis en capstone. Les mecs, ils ont inversé les. Ok. Alors, par contre, ça bouge bien. Hein. Ça bouge bien. Autant que dans l'original. Moi, j'ai jamais aimé Mario. J'aime pas le personnage et j'aime pas le gameplay des jeux Mario. Jamais aimé. Bon, je dois pas être le seul au monde, mais. Mais pour moi, c'est bien. Comment qu'on fait pour sauter plus haut, là? On peut pas revenir en arrière. Putain, ça y est, je suis mort. Je vais pas arriver. Et merde. Je peux pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais putain, mais sans déconner. Vas-y, bah crève. Non mais sans déconner, c'est quoi cette daube? Je peux courir, oui, je peux courir, mais sauf que je peux pas sauter assez haut. Vas-y, je le relance. Alors moi, ce genre de truc, ce genre de bug, entre guillemets, moi, c'est poubelle, hein. Le jeu, il dégage direct. Donc là, j'avais mis quoi? 5 liards 2, je crois. Je peux pas retourner en arrière, c'est le problème. Je veux bien prendre de l'élan. Hein. Sauf que comme le scroll, il peut pas revenir en arrière, hein. C'est un peu la merde, quoi. Allez, connard. Allez, putain, vas-y, c'est encore pareil. Je peux pas sauter. Putain, c'est d'une précision pourrie. Voilà, je peux pas y arriver. Impossible. Il veut pas. Donc c'est de la merde. Voilà. Bon bah ce sera tout. On n'en verra pas plus parce que c'est un jeu de double. C'est nul, hein. Allez, hop. Tac, dégage. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à récupérer. Et puis ouais, celui-là, il avait l'air bien, mais ça, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, du coup, je suis en quoi? Ah oui, alors attends, peut-être que je règle le remettre en port 1. Voilà, je sais pas ce que c'est ça. Arcade. Ah oui, c'est un jeu de moto. Ouais, non, laisse tomber. Hein. Moi, le truc qui me bloque dès le début du jeu comme ça, c'est pas la peine. Bon, c'est un jeu de moto. La route a pas l'air de tourner de masse. Ah si, quand même. Bon, bah c'est moche, hein. Il n'y a pas de surprise. Ah, par contre, c'est marrant, ça incline le décor au fond. L'horizon n'est pas...
n'est pas droit. C'est marrant ça, comme petit détail. Oh la vache, bon, allez, c'est moche. Mais c'est pas trop mal. C'est moche, mais c'est pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, je sais pas, tout ça, je connais pas. Oh, il y avait Drift, alors pour l'intro, il est sympa pour son intro. Puis après, je crois que ça boucle. En tout cas, contrôle Sinclair. On va essayer vite fait. J'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement sur mon vrai spectrum. J'ai jamais réussi à faire le moindre truc. Voilà, la manette a fait n'importe quoi. Alors, je sais pas si c'est la réalité, mais. Voilà, on y va, on s'en met pas les steaks. En tout cas, la présentation, hein, a bien bossé. C'est le gaz. Et alors sur mon spectrum, je ne pouvais pas tourner à gauche. Voilà, et là c'est pareil. Je ne peux pas, je ne comprends pas. Je peux tourner à droite, mais je ne peux pas tourner à gauche. Exactement comme sur mon spectrum, ça fait la même chose. Donc, rien compris à jouer. Fonctionne mal. Bon, c'est de la merde. Impossible d'y jouer, je comprends pas, ou alors c'est moi qui comprends pas comment faut faire, mais il n'y a pas de bouton B sur Spectrum en fait, Thomas. Il n'y a pas de bouton B, t'as qu'un seul bouton sur Spectrum, hein, ce qui est complètement crétin, hein, parce que en fait, le joystick il est sur un octet, donc sur l'octet, tu as les bits 0 à 3, où tu as haut, bas, gauche, droite, et tu as un autre bit pour le Fire, hein, donc en fait, bah, reste quoi. Il te restait 3 bits pour faire quelque chose et ils auraient pu mettre 4 boutons, bah, ils l'ont pas fait. On va comprendre pourquoi. Ouais, ils sont un peu bizarres des fois. Bon, il y avait un jeu que j'avais envie d'essayer, mais j'ai pas essayé, je sais pas du tout ce que ça vaut, ça avait l'air sympa. Il charge rien. Normalement, il est censé le charger automatiquement. Number to pause between the frame. Bah, 0. Ah non. Bah, 1. Là, j'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Ok, d'accord. Bon, c'était une intro. Hein. L'intro du jeu, on se prend, on s'en fout. Le jeu, il est où? Là? Donc c'est un espèce de jeu. Je sais pas ce qu'il faut faire, voilà. Et c'est un espèce de jeu, quoi. Je crois que c'est des espèces de jeux d'aventure, RPG ou je sais pas trop quoi. Donc.
l'air rigolo. À découvrir, j'ai envie de dire. Comme beaucoup de joueurs, les personnages, ils se déplacent n'importe comment, ils font n'importe quoi. On se croirait dans Zelda, quoi. C'est gratuit. Y a un objet là-bas. Tiens, je peux peut-être aller le prendre. Oh, il m'a touché, enculé. Ouais. Un truc. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'en ai un. Bon. C'est pas exceptionnel, hein. De se déplacer à l'octet, mais alors, rien, on a l'impression de monter. Hein. Hop, alors est-ce que ça va me permettre d'ouvrir la porte qu'il y a là-bas? J'en sais rien, on a peut-être espace, retourne, j'en sais rien. Bon, bref, alors, je peux peut-être aller là, du coup. Hein, rien. Là non plus. Bon, voilà. Allez, on va s'arrêter. Ah bah oui, j'ai oublié de vous montrer. Alors, je sais pas si je l'ai déjà montré en stream en fait. Je l'ai mis dans quoi? Alors, est-ce que c'est là? Alors ça c'était la vieille version de mon scroll, avec juste le scroll master dans le border. Donc ça c'était... Oh dis donc c'est moche, qu'est-ce qui s'est passé là? Putain mais il vide pas la RAM cet émulateur de dos quand tu redémarres ou quoi là? Voilà. C'est fou ça. Voilà, ouais, normalement il y avait plusieurs lumières mais ça se voit pas très bien. Et donc ça c'est super chiant hein, à faire. C'est super chiant parce qu'en fait la synchro, il faut que ma routine, toutes mes routines que je fais pendant le truc, il faut qu'elles aient une durée, qu'elles ont des cycles, enfin qu'il y ait 4 cycles à chaque coup. Enfin, je vois pas si je m'exprime bien, mais en gros, faut que c'est une durée, un multiple de 4, quoi, en nombre de cycles. Sinon, ça fait tout merder, puisque la synchro se barre en couille, du coup, ça fout en l'air le scroll, enfin, c'est un vrai bordel. Et du coup, je me suis dit que pendant le scroll, j'allais pas mettre. Oh, c'est juste pour m'amuser, hein, je pense même pas que je vais le sortir. Ce truc, juste comme ça, quoi. Et du coup, putain, où est-ce que je l'ai mis? Je sais même pas où j'ai mis. Ah si, là. Voilà, et du coup, j'ai mis ma tête. Alors, je me suis bien galéré pour faire le graphe. En fait, je l'ai fait sur CPC. La conversion, je l'ai faite sur CPC en fait, parce que c'est trop de la merde les outils qui existent pour le Spectrum. Donc j'ai fait une grosse partie du truc sur CPC et puis après je l'ai converti. Je me suis fait une conversion avec Winamp où j'ai capturé l'écran. J'ai pris les données que j'envoyais à l'écran, je les ai fait avec Winamp pour qu'il me l'exporte en source. Pouvoir recopier le graphe sous cette forme-là pour le recopier dans l'assembleur de l'émulateur Spectrum. Ils imaginaient la galère quoi, pour réussir à mettre quelque chose là-dessus. Mais voilà, enfin, j'ai pas trouvé d'outils pratiques, c'est vraiment de la merde niveau outils. Donc voilà, ma tronche. Du coup, ça colle avec le texte. Alors, le problème, c'est que sur un vrai Spectrum, en gros, un vrai spectrum, voilà, le haut de l'écran, il doit être à peu près là. Donc du coup, il faudra que je diminue la hauteur de mon scrolling pour pouvoir le voir en entier et le lire. C'est un peu chiant, quoi. Voilà. Attends, je vais vous le mettre en grand. Ah, c'était haute. Oh putain, c'est déconcertant d'avoir l'image inversée quoi. Parce que là, c'est inversé en fait. Là, c'est mon. Ouais, bah, vous le voyez dans le bon sens. Comme si vous me regardiez.
C'est pas un miroir en face de moi. Bon, bref, allez, on va s'arrêter là. Bon, bah, bon après-midi, hein. Amusez-vous bien de ce temps pourri. Allez, ciao.